Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Avatar pour enfin le découvrir en coopération avec Kilira. Bien sûr, une série est prévue sur le jeu, sachant que la coopération va mettre du temps à arriver, vous allez voir. Donc c'est pour ça que l'épisode est long d'ailleurs, c'est qu'on voulait à tout prix aller jusqu'au moment où on pouvait au moins commencer la coop, histoire d'avoir entre guillemets terminé la présentation du jeu, on va dire l'intro du jeu, et d'arriver vraiment dans le vif du sujet. Mais vraiment, toutes les phases de gameplay qu'on aura pu voir hein, jusque-là ont été très intéressantes. Donc franchement, pour le moment, on a un avis positif sur le jeu. Donc je vous laisse avec les images et j'espère que ça vous plaira. Des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans Na'vi et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre? Ah, oui. La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Taylan. Directeur Mercer. Nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous? Ah, oui. Alma. Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, Harry. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant quand votre clan vous a abandonné. On vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonnés. Built upon its slang. Mats, mon gars, tant. Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette. Donne-moi ça. C'était à notre mère, pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Harry, ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonné. Menteur! Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Manor? Manor, t'enzi. Angal nahu, tam. Sa welunit solanimun. Sa on aufol auna kimulunge. Tu n'es pas supposé parler notre langue dans la base. Quand tu cries la nuit, Taylan. Tu cries en Na'vi. Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer? Le directeur Mercer nous a sauvés. Taylan, ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir. Ici, sur Pandora. Ah, je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est Na'vi. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. Aonaka ne kelku. Bon travail, Taylan. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masque. On les a trouvés! Vous me décevez beaucoup. Nous vous avons offert cette vie privilégiée, et vous voulez tout gâcher.
On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors. Non, vous nous appartenez. Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous? Nous vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes Na'vi. Non! Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Nous avons oublié les mots. Mais nous pouvons toujours chanter les chants de notre peuple. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire, arrêtez de chanter! Allez, on rentre chez nous. Aona Kanekelku. Je préviens, Harry, pas un pas de plus! Arrête-toi! Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines? Nor, on en a parlé. Pandora est un endroit très dangereux. Et on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège? Cortez, je dois vous parler maintenant. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant que ce soit la panique. Quoi? On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les Na'vi contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. Vous devez récupérer vos affaires et retourner dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Hé, Cortez! Je m'en occupe. Vous devez y aller. Vous savez quoi faire? Suivez-moi! Vite! C'est notre seule chance! Allez! Entre là. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu seras en sécurité. La sœur va nous abandonner? Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. S'enfuir vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est votre seule chance de survivre. Mais, et vous? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord? Et vas-y, bah go confirmer, hein. Vous avoir perdu, que c'était fini. Oh, mais qu'est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé? Disons que t'as dormi longtemps. Pendant très très longtemps. Wallatikame. Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici.
la RDA est partie, non? Et tu nous as laissés ici? Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentu. Sarentu. Ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve vous avait seulement enfermé dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille, ton corps va se réveiller. On peut commencer sur un fauteuil ou comment ça se passe là? J'avoue que ça fait peur. Est-ce que tout le monde va bien? Je suis là. Nor et Teylan aussi. Je vais peut-être regarder tout de suite tout si on peut bien. Pas se rejoindre. Ouais, c'est ce que je voulais faire aussi dès qu'ils ont fini de parler. Enfin! Ça arrive pour de vrai! Nous allons tous sortir! Ensemble! Oh, pourquoi tout paraît si différent ici? On peut se dépêcher. La RDA approche. Vous bavarderez plus tard. Vas-y, mange. Tu auras besoin de toutes tes forces. On a trouvé des rations dans la cantine. Il y en a encore. Enfin, je crois. Ok, bon. C'est le moment des réglages, peut-être, et de voir si on peut se rejoindre. Alors, pour la coop, il faut jouer l'histoire principale et terminer la quête « Le clan Aranae » pour débloquer cette fonctionnalité. D'accord. Ok, donc il va falloir avancer un peu, a priori. Alors, attends. Ok, bah c'est parti. Alors. Allez. Vous pouvez le trouver dans la réserve de la cantine, trouver la nourriture, ok. Bah, attends, je veux juste essayer un truc, cette porte-là. Est-ce qu'on peut passer... Ah, on peut passer en accroupi, là, quand même. Bah, est-ce que c'est... que passer en accroupi d'ailleurs, hein, parce que... Ouais, mais est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est... Ah non, là-bas, c'est l'extérieur, ah, à droite. Non, je pense que c'est... Ah, c'est la cantoche, c'est bon, c'est bon. Ouais. Au début, j'avais une autre porte plus grande là-bas. J'aimerais bien me voir, parce que j'ai l'air d'être super grande. J'avoue. Ah oui, la cantine là, à gauche, ok. Alors, on va rentrer dans la cantine. Yeah. Alors, pour ceux qui se posent la question, on peut pas encore se rejoindre, là. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'avancer simultanément. J'espère qu'on pourra se rejoindre vite, par contre. À la fin du jeu. Alors, manger pour restaurer votre énergie. Jauge inférieure, ok. Cela permet à la santé, la jauge supérieure, de se régénérer. Ok, maintenez A pour ouvrir la roue. Maintenez F après pour... Ok, bah on va prendre un... Okay. Oula. Bien. On va retourner voir les autres. Qu'est-ce qui se passe? On peut y aller. Tout le monde là. Les enfants. Ils sont vivants. Cortez. Elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. On s'en débarrasse. D'où tu sors ? Ok, on va courir. On va courir très vite, hein. On a des grandes jambes, c'est bon. Oh là là, ça va, on tape des jolis sprints, j'avoue. Tirez à vue sur les navires. Oh là là, j'ai voulu courir devant une porte, faut passer accroupi. Ouais, mais tu peux glisser quand tu cours et contrôle. Effectivement. Attends, pour sauter plus haut, il faut faire quoi? J'ai pas lu. Espace. Ah mais plus haut. Bah double espace, hein, moi j'ai fait. Marche pas, hein. Ah, il faut peut-être maintenir espace. C'est peut-être juste pas le bon endroit. Ah, je pense que c'est pas le bon endroit. Tire course poursuite. Ah oui, c'est ça, j'étais trop à gauche en fait. Ouais, je crois qu'il faut maintenir en fait. Moi j'ai l'habitude de courir dans les jeux d'horreur. En face là. Je peux passer par là? Ah ouais. Let's go.
Il m'a pas de flashlight là. J'ai pas l'impression pour le moment. Là. Là où là? Non, non, non! J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Par ici. Est-ce que ça va? Tiens, prends ça. Une radio? Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. T'as pas chômé? Ils te cherchaient, toi, mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir, vite. Attends, quel est ton nom? Solek, l'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Continue, mais en silence. Allez! Je t'entends. Il y a des soldats partout. Ça va aller. Respire. Cherche une issue. Et au moins pour le moment, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Bah là, c'est vrai que dis donc. On commence vraiment. Il n'y a pas de tuto là. Là. Ah. C'est quoi? C'est des mechas au-dessus de nous. J'ai l'impression. Lek, tu m'entends? Où sont les autres? Ils ont réussi si à sortir ou pas? Je suis en train de les aider. Tu es en sécurité? Pour l'instant, je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer. En vrai, bah le heal, normalement, c'est full life, là, non? Bah, la jauge violette, je sais plus ce que c'est. C'est la nourriture, ça. Ah, c'est la bouffe. Moi, j'attends d'avoir perdu un peu de vie avant de le prendre, au cas où. Parce que si la nourriture descend et que, tu sais, après j'ai besoin de me heal, c'est dommage. Ouais. Et je pense pas qu'on puisse perdre de la vie par contre à cause de la faim, si. On verra bien. Ok. S'accroupir vous rendra plus difficile à repérer. Quand un ennemi vous remarque, il y a des marqueurs de détection, ok, ouais. Eh oh, les navis, vous êtes là? On veut juste parler. On a un cadeau pour vous. Ouais, trop bonne idée. Je préférerais vraiment être dans mon lit. T'as vu la taille de ces flèches? J'ai eu chaud. Pas de quartier! Que personne ne s'échappe! T'as réussi à passer? En mode fufu? Ouais. Oui, ça s'est fait, ouais. Nickel. Je vais continuer là. Ah, c'est par là peut-être? Là, je suis en hauteur un peu. Ok, moi aussi. Ah, le gymnase est verrouillé. Je vais trouver un autre moyen de passer. Ok, gymnase verrouillé. Ah bah, pareil. Faut passer par où, du coup? Trouver un moyen d'ouvrir la porte vers la salle. Il doit y avoir un bouton, un truc à activer. Oh, là, il y a une... Je sais pas, c'est ça ou s'il faut revenir? Ah là, réparer, il y a un câble. Il y a un câble juste à côté de la porte à réparer. Ah! Bah heureusement que t'es là. Hein. Bah t'inquiète. Hein. Parce que moi j'étais prêt à partir. Allez, je m'en vais, salut! Même l'air est dangereux ici. Bizarre. J'avoue, j'aimerais bien frapper un petit ennemi là. Quoi pour un lance-roquette, là. Frapper un petit ennemi. Ouais, bah ouais. Parle à toi. Le problème, c'est qu'il y a son pote à côté, quoi. C'est quoi, toi? Moi, je viens de me barrer. Allez, let's go. Moins de deux. Oh, t'en as chopé un? T'es passé en fufu, toi? Ouais. Ah, moi, j'en ai tué deux, là. Ah, tu mets des bonnes claques, hein. Tu les one-shot si jamais, ouais ouais. C'est bon, ah, je suis sorti. Ton petit, hein. Ah, il fallait que je teste. Ah.
On a dormi combien de temps? Rick, est-ce que tu m'entends? Je te tiens. Vous avez quoi, Harding? Bon. Pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. Assassin! Et regarde où ça l'a mené. Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeur, Navi. Seulement des obstacles. Four! Sorti la cinématique, c'est bon? À l'instant. Rick, ok. Est-ce que ça va? Je viens de voir mon nom, moi je me suis fait peur. C'est pas passé loin. Tu m'étonnes. Je suis taille grande. Hein. Ah super, j'ai raté le jump. Ah toi aussi. Okay, ah, moi je dis rien, mais. C'est le même gameplay. Je dis rien, mais pareil, je manque pas mal de choses là. Oh là là, mais je suis vraiment une nulos. Hein. Et il est pas évident le jump, hein. Enfin, le fait de te laisser appuyer pour sauter plus haut et tout, et tu loupes un peu tes jumps du coup après. Et oui. Ça va venir, ça va venir. Donc à mon avis, il va y avoir du platforming, on a intérêt à s'y habituer. Oh, oh c'est beau là, ça y est. Pour l'instant, je sais pas ce que t'en penses, mais alors forcément le gameplay, on n'a pas fait grand chose, c'est assez linéaire, parce que là c'est vraiment le début. Ouais. Mais non, par contre, j'aime beaucoup l'immersion, vraiment. Moi je suis un film en fait, donc ça me dérange pas pour l'instant. Bah là, pour le moment, ouais, c'est très agréable. Hein. J'avais très peur, bon on est qu'au début, hein, mais... Oui. Mais pour le moment, c'est agréable. Ah, ça a l'air magnifique. Je pense que tu vas bientôt y arriver, là. Ah ouais, là, je suis dans un conduit. Oh là là, Pandora, nous voilà. Waouh. Ah, je trouve ça magnifique. Ah, j'ai juste envie de contempler le jeu, là. Oh là là. Après, forcément... Quand on aime les films, déjà je pense que ça aide hein, à profiter, mais waouh, wow, j'adore. Peut-être que les autres qui n'aiment pas Avatar. C'est vrai. Attends, on peut toujours pas s'inviter là. Le star principal est terminé, la quête, le clan Aranay. Ils vont nous le dire, j'espère, quand on aura terminé la quête. Voilà, c'est Pandora du coup la quête, j'imagine. Mais c'est sublime. Ok, donc là on a déjà notre inventaire et tout, notre quête. Il y a des chasseurs. Bah écoute, on va essayer de faire à peu près la même chose, puisque logiquement, il faut être avancé quand même au même endroit pour jouer ensemble. Mais bon, logiquement... Du coup, là, il faut encore avancer? Ouais. Oh, c'est si beau. Je suis la rivière hein, pour l'instant. Je sais même pas si on peut vraiment faire autre chose, mais... Je veux manger. C'est... Moi, ça me demande de manger. Ouais, j'ai fait ça. Oh, les créatures! Alors, le suivi des quêtes, s'appuie sur A... Ok. Soit tu laisses appuyer pour avoir le truc, soit t'appuies une fois, ok. Il y a l'air d'y avoir des plantes par contre toxiques, il y a des petits animaux et tout, c'est... Waouh. Je sais pas si t'as tes graphismes à fond, mais moi c'est à fond là, c'est très beau. Ouais, je sais pas si je suis à fond, ouais. J'ai même pas vérifié, dis-toi. Je suis un peu lancé dans le jeu, mais moi j'ai... Non mais en vrai ils sont beaux. Oh là là. Ça là, ça va se déplier, non? Ah, t'es vers les plantes toi. Non, ça se déplie pas. Ok, il y a un véhicule explosé là où je suis. Encore là. Enfin, un véhicule en feu. Il s'est passé ouais, quoi? Ouais, pareil. Donc là, faut qu'on suive les véhicules. Bah, je pense, ouais, il y a un chemin, t'as vu qu'on peut suivre et des trucs en ouais, feu. Ouais, t'as raison. Allez. Suivre les débris de la RDA, il y a marqué, ouais, c'est ça. Ah, j'adore. Avec la cascade et tout. Non, mais vraiment, le jeu est magnifique. Oh là là, attends, je me pose 2 secondes pour regarder. Oh. Ah, c'est beau, hein. Oh, j'avais tellement peur que visuellement ça ne suive pas. Ouais. Mais là pour l'instant, si c'est partout comme ça, franchement, on va kiffer. Hein. Ouais. Ok, on arrive dans un camp du RDR. Ah oui, une sorte de complexe. Ouais. Okay. Station de carburant, ok. Monter là. J'ai peut-être monté, ouais. Comme toi. Par ici. Oh, près de l'arbre. Quelqu'un qui nous parle. De l'arbre. Solek.
C'est de l'arbre. Attends, là. Ah oui, il est là. On est pareil apparemment. Ah, tu l'as vu? Ouais, il est en face. Tout droit. Ok. Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. Ton chez-toi. Tu m'as sauvé. Tu n'es pas en état de te battre. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Il te faut des flèches. Le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras. Fais confiance à tes sens. Ok, mes sens. Mes sens ? Les humains ont besoin de lumière. Mais tu es Na'vi. Perçois la forêt comme moi. Alors, si c'est pas pour nous faire comprendre qu'il va canner, lui. Ok, X pour utiliser les sens. Okay. Tu vois, tu es ici chez toi. La forêt te parlera, si tu l'acceptes. Laisse tes sens te guider. C'est bon, j'en ai. Maintenant, toi aussi tu peux fabriquer des flèches acérées pour percer le métal humain. Ok, tu peux changer ce que tu veux crafter comme ça. Et là, hop. Tu es paré. Nous devons partir d'ici. Hein. Tu peux bouger ? Le Dapophète. J'ai besoin d'une cosse de Dapophète. Je vais te trouver ça. T'en fais pas. Sur le rivage, il pousse près de l'eau. Ok. On va chercher le lac. Alors, la rivière. Ok. Et le lac. Le rivage, où est-il? Ouvrir la carte. Bon, j'ai mis le point ou pas là? Ah oui, d'accord, j'étais en mode on peut pas zoomer, mais en fait, quand on dézoome, on se rend compte que. Waouh! Ok. Oh! Ah oui! Ok. Oh la vache! Alors. Le truc, c'est qu'il y a marqué Pandora ici. Mais là, c'est juste quand on est sorti, en fait. Donc, non, le lac, c'est quoi? Il faut juste aller vers la rivière, là, au pire, là-bas? Mais tu peux mettre un marqueur, moi, je veux faire ça. Hein. Je pense que c'est le genre de rivière, ah, en final. Ça doit être le truc, ouais, en face, ouais. Ok, si je mets le repère là. Parce qu'au début, j'avais fait le truc Pandora, mais Pandora, en fait, c'est là où on est sorti, je crois que c'était pas la quête. Ok, il y a le point là-bas. Je suis à 700 mètres, là, de là où j'ai mis mon point. On va voir. J'entends un hélicoptère. Ah moi aussi, il y a un hélico vers là-bas. Oh, je le vois là-bas. Est-ce qu'on vit d'y aller déjà? Moi je le vois pas. Ah ouais. J'ai été vers lui. Fumé hein. En fait, je pense qu'il fallait juste aller près de l'eau, mais pas forcément genre chercher un lac, mais on s'en fout, la rivière ça doit le faire. Le one shot. De quoi, l'hélico? Non, non, les mecs. Et voilà, j'en ai tué 3 d'un coup. Bon, oh, moi je monte, je sais pas où là. Oh. Il y a des dégâts de chute ou pas? Du coup, là on peut descendre, mais. Oh. Pas l'impression qu'il y en ait, hein. Oula. Ah ouais, on voit les ennemis comme ça avec X aussi. Ah oh. Des soldats. Pas besoin de mettre des têtes, j'imagine, vu la taille de nos flèches. Bah, moi, ça, j'ai mis des têtes, mais après. C'est vrai qu'elles sont plus. T'as vu comment on est grand? Oh, il y a un animal aussi là-bas. Est-ce que. Ah non, toi, tu vas pas recommencer. Est-ce qu'on irait pas chasser? Est-ce qu'il y a un intérêt à les chasser? Cornes? C'est les matériaux qu'on peut avoir de fabrication d'armes. Il y a la peau, les cornes et tout, donc je pense. Okay. Je pense qu'il faut les tuer. Hein. Attends, je sais pas où sont les cosses, oh. Là, le truc. Inspecter. Dapophète, c'est ça. Je les ai, c'est des plantes qui sont juste à côté là où t'as tué les soldats. Ah, flûte, moi je suis allé sur du coup l'arbre qui est au milieu de l'eau là. So, like, j'ai trouvé le Dapophète. Ah oui, effectivement. Je reviens. J'y vais. Il y avait plus de soldats. Attends, je vais quand même chasser, je pense, moi. Ah, je sais pas viser. Non, c'est surtout que ça retombe un peu. Hein. Oh non, il a une armure là. Oh, je vais me faire arracher. Je vais me faire arracher.
J'espère. Je pense qu'il faut viser derrière là où il a pas d'armure, mais. On est dans Avatar, on n'est pas là pour chasser. On est des chasseurs. Mais non, mais on chasse que les militaires. T'es mort ? Oui. Bah tant pis pour toi. Ils avaient des matériaux pour construire. Attends, est-ce que du coup j'ai les... Ah ça va. Bah il m'a remis plus proche de ma mission finalement. Parce que j'ai déjà ce qu'il faut, donc c'est bon. Il se laissera pas capturer vivant. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah j'aurais peut-être dû regarder les points faibles tout à l'heure. Oh. Pense... Oui, il y a un méca. Tu peux grimper dans des arbres ? Ah oui, ça je sais, oui. Ah. Est-ce que le devant c'est un point faible si je tire sur lui direct là ? Ah mais ça se trouve si j'avais fait ça sur les autres avec leur défense j'aurais vu où tirer. Mais je pense que c'est juste qu'il fallait pas tirer devant. D'accord, ok, je vois où c'est l'histoire. Je pense que c'est juste qu'il fallait pas tirer devant eux, mais bon. Ils vont me fumer l'autre qui a les mechas. Ah mais du coup quand j'ai appuyé sur X du coup ça reste en surveillance le point faible. Enfin le mecha je l'ai vu souvent. Ok, donc. Tu apprends vite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est pour la nourriture, armes, ok. On va refaire quelques. Quelques flèches, hein. C'est comme ça qu'on se soigne. J'avoue qu'avec le feu, je sais pas trop quand même. Tu n'as pas de collier de vie. J'avais celui de ma mère, mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. Attends! Et je fais quoi maintenant? Faire. On peut rien récupérer sur le mecha. Tu dois redécouvrir tes racines, Sarento. Je sais pas, je suis en cinématique là. Rejoindre la résistance, mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Non. Ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. Ok, c'est bon. Quand je me là-bas. Tourne, j'en vois tout là-haut. Ah oui, bien vu. Ah oui, quand tu fais X, il est là-bas. Est-ce là-bas. Que ça va être Action. Un peu notre Jack Sully? Petite romance avec lui et tout là. Bah écoute, je sais pas trop. Tiens, toi, ça impacte, c'est une meuf ou non, c'est un mec? Ouais, non, c'est un mec. Ouais, ok. Bah, de toute façon, non, je pense qu'on a exactement le même. Hein. Je pense, hein. Oh, il y a des espèces d'œufs. Ouh, ça va péter, ça. Ah oui, bah, c'est marrant, j'ai eu ça tout à l'heure aussi. Ah, ça fait très alien, hein. Oh là là, je me recule, moi, de ces trucs-là. La cascade. Je vois que c'est dangereux. La base de la résistance doit être là-haut. Ça s'ouvre pas, cette caisse-là. Il y avait une caisse jaune tout à l'heure, en fait, qu'on pouvait ouvrir. Je sais pas si t'avais j'en vu. J'en ai croisé une tout à l'heure aussi. Mais celle-là, elle s'ouvre pas, ok. Non, bah, je pense qu'on doit être au même endroit. Ouais, alors, il faut monter, là. Ouais. En utilisant vos sens, vous pouvez inspecter les plantes. Ouais. C'est quoi ce truc qu'on voit là en bas, là dans l'eau, là? C'est. Ça fait un tracé, ou alors c'est en mode. On est d'accord. C'est de la traque peut-être? Je sais pas. Mais inspecter. Je sais pas ce que c'est. Ah non, mais liane grimpante? Attends. C'est ça? Mais ça se trouve, c'est un truc quand on aura notre... Monter et descendre, non, mais c'est pas ça. Monture ou quoi ? Je sais pas. Alors, comment on monte là ? Là-bas ? Ah, là, on peut fouiller le petit coffre. Attends, je trouve pas comment on monte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, mais je peux pas monter, là. Attends. Si je tire dessus. C'est ce qui est marqué à ma gauche, en fait. Hein. Je le lis juste après le fer. Mince.
tirer sur la liane grimpante fermée. Where is the liane grimpante? T'as une boule normalement à côté de la falaise là. Tu tires dessus et tu peux monter. Tu sais, comme celle où, sur lesquelles t'es monté déjà de base là une première fois. Ouais. Ok, j'en vois une là-bas. Ça passe ça? Pour sauter encore plus loin, fais attention au chargeur en courant. Mais comment tu la tires? Le saut loin, je suis tombé dans l'eau. Non mais tu tires sur la boule orange. Eh mais comment tu tires dessus? Bah avec ton arc. Ah oui d'accord, tirer. Moi je l'avais pas, hein. J'étais en mode avec mes mains, comment je tire dessus quoi. Ah moi je suis un navi qui se débrouille hein. Ok c'est bon. On va galérer chacun à une phase différente. Ah oui, ça va être. Eh, on est là pour profiter du jeu, ok. Ah, on apprend. Hein. On est là pour chill, hein. Nous, on est là pour le contemplatif avant tout. C'est ça. J'aime pas du tout la touche pour inspecter. X, je suis pas à l'aise avec. Ouais, mais moi, c'est pareil. Il y a certaines touches, peut-être que plus tard. J'attends de voir toutes les touches qu'il y aura en fait et ouais, je changerai peut-être des trucs. Ah, il y a des petites plantes, elles rentrent quand on avance. Parce que c'est pareil, le coup de mêlée, je pense que je vais mettre sur une touche de souris parce que. Enfin, ça dépend si on l'utilise souvent ou pas, mais sinon, c'est pas de chiant. Ouais. Mais vraiment, l'environnement. Hein. C'est beau, hein. On passera moins de temps à regarder d'ici quelques épisodes, mais là... mais là, vraiment... Moi, je profite, hein. Salut, les gars. Attends, mais c'est ça, d'ailleurs. C'était pas les trucs pour le heal, là. On va voir si ça se met dans la nourriture. Ça se met pas du tout dans la nourriture, ça. Hein. Merde, ça se met où? C'est où, la sacoche? Puissance de combat, meilleur équipement pour l'augmenter. Ouais, ok. J'ai sacoche. Sacoche est vide. Attends, ils me disent que c'est full. Faudrait savoir. Ils me disent que je peux pas avoir plus de... Ah, c'est ça. J'ai encore ce filet violet hein, qui apparaît. Sacoche médicinale hein, pourtant, donc j'avoue, je sais pas comment on fait. On peut-être nous le dire après. Ouais. Faut que je fasse oh quoi mais là? Je sais ce que c'est! Les espèces de liens là qu'il y avait au sol de couleur. Ouais. En fait, là, il y a un animal qui vient de crier et ça a fait un lien violet. Et là, il s'en va et le lien le suit. Ah oui, donc c'est, fois, c'était. C'est les animaux hein. Ouais, c'était mon idée initiale en fait, c'est pour les traquer quoi. Bah voilà. Ok, je suis au camp, je rentre en cinématique, je crois. On n'entend rien du tout, Priya. Jean pense avoir compris comment régler ça. C'est fou, une nouvelle recrue. Je suis trop contente de te voir parce que bon, vous n'êtes plus très nombreux. Oh pardon, je suis désolée. Bienvenue au QG de la Résistance. Ouais, je sais. Oel Nyati Kamie. Quoi? Te voilà. Approche. Ce qui reste de vous ? Ça s'est bien passé. Il t'aime bien. Tout va bien. Respire un bon coup. Oh. Non, dis-moi. Bah quoi ? Ouais. Je suis si content de te voir. On a entendu les tirs et Alma nous a dit de nous enfuir. Tu vas bien ? Plus ou moins. Tu peux pas te rejoindre, là ? Solek m'a sauvé. Où sont les autres ? Ritnella et Nor sont sains et saufs. Mais ils ont voulu rester dehors. Ils ne devraient pas. C'est pas dangereux? Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacué. J'ai vu les murs s'effondrer. Sur vous. Je vous ai cru mort.
Priya a entendu la RDA à la radio parler d'un signal à la TAP. Je n'osais pas espérer. Ça fait si longtemps que ça ? J'ai l'impression que vous êtes parti hier. C'est normal que tu aies cette impression. Mais ça fait presque 16 ans. Quoi ? 16 ans ? Alma, c'est pas possible. Vous devez comprendre. Vous revoir tous aujourd'hui, vous n'avez pas idée de la joie que ça me procure. Je n'ai pas su vous protéger. Je ne ferai pas la même erreur, c'est promis. Écoute, prends ton temps. Raj va s'occuper de toi. Taylan connaît bien les lieux. Il te fera visiter. Tu es chez toi, ici. Tu verras. Seize ans. Ça paraît irréel. Ouais, Je ne sais pas quoi en penser. Alma a raison. Nous pouvons vivre ici. Je le sens. C'est plutôt cool, non ? On a plein de matos. Il est là-bas. C'est Raj ? Il est plutôt cool. Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence. Ouais. Mais leur... Vous devez être Raj. Non, c'est Rajinder. Oh, désolé. Alma m'a dit que... Je connais Alma. Elle m'appelle Raj. Mais toi, je te connais pas. Je suis nouveau. Relax, nouveau. Je savais que tu venais. Tu as dormi longtemps. Tu dois être bien reposé. J'ai des vêtements propres pour vous tous. Alma a oublié de me dire que tu manquais aussi d'humour. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Ok, alors ça c'est cadeau. Et après lui c'est le vendeur d'armure quoi. Prends soin de toi. Ok. C'est bon, t'as parlé à Raj ? Ouais. Ok. Il est fort sympathique ce monsieur. Il te file du stuff donc gratuit. C'est quoi ça, ces mods ? Ok. Je pense que tout est bon. On lui reparle. Vous, je peux vous donner quelque chose en échange ? C'est gratuit. Pour cette fois. Circonstances particulières, bien sûr. En général, on prend ce qui nous tombe sous la main. Si tu trouves quelque chose de bien, dis-le-moi. Des vêtements Na'vi. Ils sont étranges, non ? Je crois que je les aime bien. Je veux garder ma casquette. Bon, moi, on sait à quoi servent les pièces détachées. Et tester cette technologie. Tu dois absolument rencontrer Alex. C'est une sorte d'inventeur. Tu as vite pris tes marques. Ok. Ouais, ça fait bizarre d'avoir quitté la TAP. Mais tout le monde est très gentil ici. T'auras un coffre vert à fouiller en... Mais même ça, on peut looter. Et des genres de... C'est quoi, c'est des grenades ? Ah oui, je le vois, ok. En passant, là, quand tu le suis. Attends, il est parti où, du coup ? Il est pas assez grand ? Je lisais. Par contre, on a dormi longtemps, dis donc. Ouais. Tu viens te ravitailler ? Oh. Ok, elle va nous vendre les arcs et les modes d'arc, ok. Taylan ! Toujours dans les parages. Et t'es venu avec un autre navire ? Alex est notre bricoleur. Il fabrique des machines pour la communication, l'exploration... Et foutre le bordel ! Si mes réglages sont bons. Tu vois ça ? C'est mon SID. Mon système d'investigation des données. Il est plutôt cool, hein ? Adjir n'aime pas son nom. Mais il y connaît rien. J'ai fabriqué ça en pensant au Na'vi. Pour qu'il puisse exploiter les technos de la RDA. Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. Et de la TAP.
Oui, mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous? Non? On pourrait? Ce serait amusant. Je peux en faire un pour chacun de vous. Vas-y, essaie-le. Prends bien. J'espère qu'il va pouvoir repérer le problème de notre système de filtration. Tu vois les fils qui passent sous nos pieds? Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'au panneau de maintenance. Tu veux essayer? Je devrais peut-être aller fouiner dans ces avant-postes vides. Je suis sûr qu'il y a... Mes données indiquent aussi une panne en haut. Sûrement ce que... Non mais je suis nul. Pour... Le CID? Je dois trouver là, ouais. Bah, tu suis les câbles, ensuite tu fais clic gauche. Attends, ça marche pas là d'ailleurs. Voilà. Tu fais clic gauche et tu fais AE pour mettre le cercle dans le cercle, c'est tout. Bah, je suis le câble orange. Ouais, mais au tout début, tu suis... Non, il faut que tu suives le vert pour arriver là où ça devient orange, en fait. Orange, t'as dû aller un cran trop loin, je pense, c'est pour ça. Ah, c'est quoi ça? J'ai un temps limité pour y aller en plus. Ok. Fais gaffe, la dernière étape, t'as un temps limité, c'est un genre de labyrinthe. D'accord. Ok, c'est sympa le mini-jeu. Je dois dire que j'ai hâte de savoir ce que tu en feras. Ça fait plaisir de voir qu'il peut être utile. Mais je t'ai donné assez d'instructions. Alma est en train de réunir tout le monde. Tes amis sont toujours dehors, il me semble. Ok, ça doit être là. On continuera de se battre. Pour tous ceux qu'on a perdus. Oh, il pleut. Oh bah là, c'est magnifique. J'ai faim, mais j'ai plus de nourriture. J'ai oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture civilisée. Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs. Ah, je crois qu'il y a un truc de cuisine. On pourra faire des recettes. Juste à côté de la porte d'entrée. Attends, bah, je parle au... Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant? Elle aurait pu aller à la tape plus tôt. C'était peut-être dangereux. Ça l'est toujours. Peu importe. On est libre. Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons. On pourrait partir. Là, tout de suite. Mais pour aller où? Là où on le voudra. Tous ensemble. T'en penses quoi? Toi, moi, Ritnella, Taylan? On pourrait vivre comme des Sarentu. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Elle doit avoir un plan. Ne reste pas pour elle. Elle veut te contrôler. Comme tous les humains. Non, pas tous. Alma a toujours veillé sur nous. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien, non? Ils ont l'air sympas. Priya me prête même sa radio. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Allons voir ce que veut Alma. Peut-être... Peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. Nor, allez, viens. Tout le monde attend. Ok, ok. Donne-moi une minute. La lumière est différente ici. Je veux en profiter. Après avoir passé autant de temps dans une boîte en métal, au moins ce soir, nous dormirons sous les étoiles. Comme nos anciens. Peu importe ce qui se passe, je m'assurerai que nous soyons prêts. On doit se préparer pour la suite. Ok, bah j'ai trouvé à manger.
t'as trouvé à Graille ? Ah oui, je pense savoir ce que c'est. Ouais, bah j'ai volé dans le feu, hein. Enfin à côté du feu. Ça commence bien. Oui, bah écoute, quand on a faim, on a faim. Ah, mais Cuisto, c'est juste à l'entrée, ok. On n'a pas d'ingrédients, mais ok. Ok, ok, il y aura des effets, tout ça, tout ça. Recette, est-ce qu'on peut en voir déjà ? Allez, champi. N'importe quel type de champignon, n'importe quel type d'œuf. Et on pourra faire ça, et ça inflige 35% de dégâts de furtivité. Ok. Et puis la furtivité, ça nous connaît. Hein. Oh là là. Ça va être incroyable. Ok, il y a des rations aussi là. Ça, c'est bon. Ok, bon, on va de nouveau rentrer, hein, de toute façon, pour la quête. Oh, je suis tellement deg et dire que je me suis quand même déjà fait tuer dans le jeu. Ah, moi, pas du tout. Hein. Bon, c'est bien, hein, c'est la preuve que les créatures, elles sont un peu vénères. Hein. Ceux qui restent de la RG ne sortiront pas comme ça. Au briefing, là. Ok. John Mercer, fondateur du programme TAP. Les Sarentou le connaissent bien, mais beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu. Il est revenu sur Pandora en tant que vice-président exécutif des opérations frontalières aux côtés de votre vieille amie de la TAP, la colonelle Angela Harding, comme chef de la sécurité. Il est ambitieux, égoïste, égocentrique. Et vous l'avez aidé ? On combat la RDA depuis plusieurs mois maintenant. Quelle différence peut-il faire ? Les tactiques de Mercer sont brutales. Ça, plus sa frustration après l'échec de la TAP. Nous devons établir une stratégie. Nos tentatives d'alliance avec les clans voisins n'ont rien donné. Certains Aranahe étaient prêts à se battre. Mais après avoir subi des pertes, ils ont changé d'avis. Nous ne sommes pas allés plus loin avec les Essois. Ils sont forts, mais ils refusent toute alliance avec les humains. Ton clan abritait des voyageurs, des conteurs, des diplomates. Il était respecté. Les Na'vi t'écouteront. Alma ? On a un pic de pollution pas loin. Genre vraiment tout près. Regarde les niveaux, c'est forcément la RDA. Ils sont là ? Mercer aussi ? Non, pas lui. La pollution provient des engins de la RDA. Ils doivent installer un site de forage classique. Ils lacèrent la terre, l'empoisonnent, la souillent. Ils n'ont jamais été aussi près du QG. S'ils explorent les environs, ils vont nous tomber dessus. Il va falloir faire profil bas. So, Lek, tu peux établir un périmètre de sécurité ? Anka, essaie de joindre Adjir par radio. Je pourrais saboter le site de forage. J'ai compris comment fonctionne le site. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Laisse-le y aller. Je l'ai vu se battre. Ça va aller. D'accord, mais fais attention à toi. Les autres, préparez-vous à intercepter d'autres patrouilles. Laissez vos radios allumées. Prudence. Si la RDA te voit sur le site de forage, ils attaqueront. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Prépare tes flèches. Concentre-toi. Il y a des ressources près du sas principal. Je me demande si je peux trouver quelques pièces pour mon Samsung dans les ruines de la base. J'avais déjà récupéré. Ok, t'as fini ta cinématique ? Ouais. Ok. C'est vrai que pour l'instant, tant qu'on n'est pas groupé, on n'ose pas parler du coup. Oui, on sait jamais quand on a fini ou pas. Exactement. C'est horrible. Bienvenue dans la résistance toujours, hein, toujours la même quête. Eh ouais, neutraliser la tour pneumatique, il faut sortir. Ouais, ouais. On va aller faire ça, par contre là on va s'amuser je pense. Ça va on va s'amuser, des petites grenades et tout là. On va aller voir ce qu'il y a. Oh mais ce temps de pluie dis donc. J'espère que quand je vais ouvrir mes volets j'aurai le même temps. Matériaux de fabrication d'Arcelon. Ça me fait blesser, attends, comment je descends ? Comment on fait ? Ah, il y a un mini-jeu et tout. Attends, faire quoi ? Pour ne pas endommager, il faut être délicat. Vous devez appuyer sur clic gauche et faire tourner jusqu'à ce qu'elle commence à se détacher. Voilà. Quoi ? Ça sent la dinguerie. Oh là, je reste dans cet arc-là, là, c'est ça ? Ah, le mini-jeu ? Je suis en train de... Bah, j'essaie de briser une branche. Jusqu'à ce qu'elle commence à se détacher, la vibration s'interrompt. Puis, arraché là. Ah, je l'ai arraché. J'ai pas compris. Bah moi, je l'ai mis à droite, mon curseur. Du coup, j'étais dans du vert. Ouais. J'ai tiré dans le vert. Faut juste que j'aille à gauche, quoi, là.
Ah oui, d'accord, c'est tout en fait. Il y avait rien de. Fallait juste que je sorte, mais du bon côté quoi. Toi, tu t'es dit c'est une bombe à des minutes. Non, non, mais je pensais qu'il fallait y aller délicatement. Pour une fois, j'étais tout délicat et tout là. Ah, bah, moi, que je là... suis allé tranquille quand même. Hein. Là, par exemple, si je viens du mauvais côté, ouais, voilà, je vais casser. Ok, ouais. Ouais, en fait, tu peux y aller fort, il n'y a pas de problème quoi. Ok, ok. Par contre, j'entends des boum boum là. Des bruits bizarres, ouais. On va passer par en haut. Il y en a où il me fait peur à droite là, on dirait un peu un serpent. Je sais pas là. Si tu vois autour de toi, il y a un arbre qui est très grand. Je dirais qu'il a des écailles. Non, je sais pas. Tu t'es... Ah, lui là-bas peut-être. Ah oui, lui. Ouais, ok. Je vois duquel tu parles. Oh. Il est bizarre. Ah, j'ai ramassé des champignons tout bizarres. Mais ils étaient où ces champis là? Là, je marche sur un espèce de gros tronc en direction de la quête. Et du coup, par terre, il y a des espèces de champignons, des petites tiges rouges. C'est pas ça là que je vois? Ah non, ça, ok. Ok, tout a la même mécanique pour looter. Oh. Oh, je t'attends en bas de la. Du tronc. Ouais. Si on se voyait tout. Pourquoi ouais. Il y a des points là en fait? Ah, mais c'est pour descendre, ok. Tu me dis quand il y est. Tout au bout du tronc là, attends, parce que je ouais, suis pas du tout encore. Hein. Bon, tu pourras pas rater, hein, techniquement. J'arrive là. Je te rejoins. Plus t'avances, plus c'est le chaos. Hein. Ouais, bah déjà je vois ça. Ok, là je suis en bas là. Ok. J'arrive en bas en tout cas là. Ah, il y a un. Ah oui, il y a un. Ouais. Il y a un massacre quoi. On va les venger. Ah, c'est horrible. Je vais pas faire de quartier, moi je te le dis. Je suis près du site de forage. Défoncer. Sol ici est. Chaque fois que la RDA s'installe, c'est la même chose. Leur équipement pollue tout ce qui est autour. Tout. Mais Pandora est forte. Arrête-moi ces foreuses et la nature s'en remettra. Attends, j'étudie les plans. Ah, oh, tu les as? Avoir bossé à la RDA a ses avantages. Je rigole. Et ils sont pas sympas. Il semblerait qu'on ait deux éléments, une unité de refroidissement et un générateur, probablement en bordure des sites. Et l'équipe de la RDA? Alors, j'ai envoyé la grenade. Tu es en mode, est-ce que je les tue ou est-ce qu'on peut le faire en fufu, tu vois aussi? Ah, bah moi je me suis pas trop posé la question. La grenade, ça marche sur le mecha ou pas? Parce que justement, ouais. Je voulais l'envoyer. Attends, mais ça c'est quoi? C'est du loot. En fait, ça la stun la grenade, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ok, les autres, ça les a pas alertés. Inspectez. Ah, moi, j'ai alerté tout le monde. Hein. Oh non! Je suis des tirs! Oh mince. Qu'est-ce que j'ai alerté là? C'était tellement plus stylé quand on le faisait un peu en fufu. Oh, il monte dans le truc lui. Non, on monte pas dedans. Ah, dans le méca? Ouais, y'a un mec qui monte dans un méca, genre c'est trop stylé, il était pas de base. Oh là. Ah oui, oh, ok, lui il a pris une tête dedans. Attends mais oh. Oui, dis-moi. Il y a un hélicoptère. On a perdu l'ennemi. Détruis-le, hein. Oh, il a déposé des mecs. Renfort dans 17. Il y a plusieurs hélicos qui déposent des mecs. Attends, mais pourquoi il y a des renforts alors que j'ai tué tout le monde, là? Attends, mais je me fais fumer la gueule, non? Hein? Merde. Là. Ok. Ah, c'est trop stylé, j'aime beaucoup le jeu. Par contre, faut que je fasse quoi là-bas après?
que lui il est fait normalement. Faut que j'aille faire l'autre là-bas. Attends, ça te tire plus dessus toi? Si. Détruire le générateur, pirater, détruire l'unité. Mais je pense qu'elle est déjà piratée, donc là il faut juste que je détruise en fait. Je pense que c'est tout ce qui manque. Alors attention parce qu'il y a un baril explo à côté de moi là. Ah, il y a des grenades à récupérer. J'aime pas ce que j'entends. Ok, le générateur faut tirer dessus et l'autre j'ai déjà piraté donc j'ai plus qu'à tirer dessus je pense. Ok, c'est bon. Générateur et refroidissement HS. Ah oui, une fois ouvert, tire dedans et moi j'ai attendu qu'elle se referme en fait là. Ok. Comment pas où je dois tirer? T'as un générateur, faut tirer dessus, une partie rouge. Et l'autre, le truc au milieu, à côté de la tour là, il faut que tu le pirates d'abord et ensuite tu tires pareil dans la partie rouge. Je sens que tu peux appuyer sur X hein, pour voir le truc en surveillance si tu vois pas l'item qu'il fallait. J'ai entendu les trucs qu'il fallait que tu gères. Fallait lever les yeux. Ah, et le dernier, pardon, c'était tout en haut, je savais pas quelle tête t'étais. T'inquiète. Allô, il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Je suis dehors avec les autres. On a entendu l'explosion. Est-ce que tout va bien? J'ai détruit les foreuses. On est tranquille pour un moment. Une sorte de grosse fleur. Les autres sont excités, mais je sais pas trop. Tu peux venir voir? Ok, les chants des ancêtres, c'est toujours pas ça, hein? C'est le clan Ara machin là, mais c'est pas du tout ça. Rencontrer Taylan et les autres au sommet. Moi je fouille avant. Il y a des. Ah, j'avoue qu'il y a des trucs à fouiller, t'as raison. Je suis là pour le trouver. T'as raison. On va fouiller un petit peu. Je suis tellement pressé qu'on se retrouve aussi là. Ah mais tellement. Moi aussi je prends 2-3 ressources, hein, c'est tout. Ouais bah de toute façon il n'y a pas 10 000 trucs j'ai l'impression non plus. Hein. Ouais non, c'est juste des petits bouts de bois par-ci par-là. Il y a une plante que j'ai essayé de ramasser. Mais vu qu'elle était dans l'atmosphère qui était amochée là, et ben ça disait qu'elle était polluée. Je pouvais pas la ramasser. Ok. Marrant. J'ai combien de flèches là? Ouais, je recrafte après. Ah bah, après. Quel synchro. Au moment où tu dis regardé. Ça, j'ouvre, ouais. Oh mais c'est beau, hein. Des pattes de léopard. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Je peux savoir? Fruits, foyer, ingrédients, convenables. Je récolte des plantes. T'es sûr que c'est des plantes? Oui. C'est des fruits que je récupère. Ok. Ok, faut monter là-bas. Ah ouais, faut monter haut, dis donc. J'ai peut-être fait une boulette en venant ici, ah ça. Ah là là, j'ai tiré sur une plante, ça m'a. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute ou pas? Je sais toujours pas ça. Je sais pas, moi je tente pas le diable hein, pour le moment. Justement. Moi j'aimerais bien savoir. Alors attends. Attends, mais j'aimerais bien savoir déjà comment on monte. Ouais, je suis en train de monter progressivement, mais en fait je suis tellement loin que je me dis que j'essaye de monter trop tôt. Hein. Ah là-bas. Il y a un arbre. On peut monter par là, je pense. À quoi que. Mais je vais me vautrer là. Hein. Attends, mais tu sais que là je suis en train de monter par un endroit, mais je suis pas certain que c'était l'endroit où il fallait. Je suis en train de monter par une racine qui monte le long d'une falaise avec des grands sauts et tout, mais. Est-ce que je suis au ça bon endroit? Ça fait pareil. Hein. En vrai, si ça s'est passé, hein, c'est bon, mais. Je sais pas si c'était par là qu'on était censé monter. Là, c'est bon, je vais arriver avec eux. Vite, dépêche-toi. Ah bah moi je suis tout en bas. Je vais voir la cinématique, je pense. Ouais.
Cette fleur s'ouvre uniquement pour les Sarentu. Ils se connectent à Ewa. Après tant d'années... Ewa, j'en ai tellement rêvé. Vous êtes sûr qu'on doit faire ça? Ça m'a l'air bizarre. C'est parce que t'en as jamais vu avant. Pandora n'est pas faite de câbles et de métal. Ouais, mais... Tu crois pas que c'est peut-être toxique? Enfin, je veux dire... Cette couleur, ça doit vouloir dire que c'est... toxique. Ewa ne nous ferait aucun mal. Merci, on m'a dit de me méfier d'Ewa. On va se connecter ensemble, d'accord? En même temps. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la marque que j'ai faite. Tu me reconnais, mon enfant? Je suis Entu, l'ancêtre. Oui, le premier de ton clan. Les Sarentu parcourent Pandora. Nos histoires tissent des liens avec les autres clans. Tu es nouveau, n'est-ce pas? Dans ce monde. Connecte-toi au Tarsiu quand tu as besoin de la sagesse de tes ancêtres et tu rayonneras. Mais avant tout, tu dois apprendre à survivre. La première fois que j'ai vu Pandora, c'est comme la première fois que j'ai regardé l'océan. J'ai vu une immense étendue. Jamais la même, toujours en mouvement. Mais tu peux la traverser pour voyager au loin, ou bien tu peux venir t'y noyer. Pour survivre sur Pandora, tu dois apprendre à te déplacer comme les vagues, à bondir, à glisser, à évoluer avec la même énergie. Fais en sorte de suivre le courant et vis. Ok. C'est ton âge. L'instinct des monteurs Sarentu. Du coup, c'est quoi? J'ai deux points, faut que je les dépense ou pas? La... Ah non, faut trouver le truc sur la carte, ok. En fait, on va se relinker ailleurs, quoi. C'est joliment dit. C'est notre ancêtre, un vrai Sarentu. Vous pensez qu'il sait qu'on est différent des autres Na'vi? Je ne pense pas qu'on le soit. Nous n'avons pas grandi dans un clan. Nous n'avons pas entendu nos chansons, ni nos histoires. Seulement appris de ceux qui viennent du ciel. La mort, la destruction, la haine. Mais on fait toujours partie d'Ewa. Non? Mercer dit qu'Ewa fait souffrir. Qu'elle assombrit nos cœurs et nos esprits. Qu'elle nous manipule et... qu'elle nous ment. Il voulait qu'on soit effrayés. Pour nous faire taire. Et pour nous contrôler. Voilà ce qu'est la vie d'un Sarentu. Cette connexion à la Grande Mère. Alors, les compétences... On a quand même des compétences en plus de ce qu'on a vu là, en fait. Je sais pas, ça se trouve c'est nul, mais... Je regarde vite fait ce qu'il y a en compétences. Il y a survivant. C'est quoi, compétences des ancêtres? Ça, c'est ce qu'on avait juste avant, je pense. Et là, il y a survivant, guerrier, chasseur, fabricant... Inconnu. Le truc, c'est que ça va débloquer des trucs une fois qu'on va cliquer là-dessus, j'imagine. À voir les détails. Ah ouais, voilà, genre chasseur. Parce que vous accroupissez, vous êtes plus difficile à détecter et votre vitesse augmente. Ok.
donc tout ça c'est un peu le côté fufu. Survivant. C'est la santé qui a augmenté. Bon ça je pense que c'est un peu la base. Hein. Santé, énergie en fait, hein, tout ce qui est survivant. Guerrier. C'est les dégâts, bien sûr. Ah, fabricant, c'est pour augmenter les bonus et tout, ok. Après, je sais pas si on aura le temps de... Enfin, si on arrivera à tout débloquer ou s'il faudra vraiment faire des choix. J'aime bien le truc d'être plus discret. Parce que j'ai bien aimé finalement la phase discrète. Alors, je sais que ça va t'étonner, mais... Ah oui, je suis... Alors, je suis étonné. Je vais quand même prendre ça, ouais, Prédateur de l'ombre au début. Et après, je verrai, je vais laisser le deuxième point pour le moment. Ok. Devenir la prochaine quête. Faire quoi? On va retourner à la base. Mais on va pouvoir utiliser le voyage rapide. Ah. Je suis en route vers le QG. J'arrive bientôt. Alors, pour ouvrir la carte, sélectionner le zoom, la zone et ok, ouais. Comment tu sais? J'ai capté son signal radio. Jake a des... Regarde-moi ça. C'est... Tu vois où... Nous contrôlons la qualité de l'air dans toute la frontière occidentale, ici et dans nos labos. Ça s'est vraiment amélioré depuis la destruction du site de forage. Nous étudions les effets pour essayer de les contrer, en repoussant la RDA si possible. Ouais. Sinon, ils vont massacrer cet endroit. Comme chez nous. La Terre. Alma nous en a parlé. Elle t'a raconté toute l'histoire. Notre planète, c'est fini. Elle se meurt. Parce qu'on ne s'est pas battu pour la protéger. Et maintenant, on se bat pour la vôtre. On va changer la donne, ici. Ensemble. Oh, cela qu'espérait de voir aussi. Je lui ai promis de pas oublier. Dis-lui que j'ai pas oublié. Celle de maintenant, c'était où déjà? La flore locale. On doit faire quelque chose. Je crois qu'ils aiment mes blagues. Je sais pas, je cherche là. Je suis en train de faire tout le tour. Non, j'ai l'impression qu'il est à l'extérieur. Ah ouais, j'ai même pas vu. Ah non, il est dans un bat, mais parce que je suis sorti pour essayer de le chercher. Si tu sais ce que tu ah. Ah non, il est là-bas. Ah oui, non, mais on le voit là-bas, ok. Ouais, ok. Pourquoi Adjir répond pas? Tu as assuré là-bas. Les humains t'ont aussi enseigné leurs armes? Non. J'ai vu la RDA massacrer mon clan. Leurs balles déchiqueter leur corps. Ils m'ont appris comme ça. Je sais ce que ça fait d'être parmi les derniers des siens. Les humains. Ils sont comme leurs armes. Ils n'infligent que souffrance. Mais tes amis faisaient partie de la RDA. Et je ne compte pas les laisser oublier. Mais ce n'est pas leur guerre. Ils se battent pour le souvenir de leur terre, mais nous, nous défendons la nôtre. Mercer a finalement eu ce qu'il voulait. Il a fait de nous des soldats. Tu n'es pas leur création. Tu es Na'vi. Tu apprendras ce que ça veut dire, avec le temps. En commençant par ça, je l'ai fait pour toi. Un collier de vie? Comme celui de ma mère. Tous les Na'vi en portent un. C'est le récit de ta vie que les autres verront. Pour que tu n'oublies pas. Le sien avait plus de perles. Chaque perle représente un grand moment pour son porteur. Je t'en ai mis une, pour l'instant. Pour commémorer tes premiers pas vers la liberté. Complète-le. Fabrique tes propres souvenirs. Ajoute des chants à ton cœur. J'espère que nous y arriverons. Rinella veut vraiment savoir ce que signifie être Sarintu. Mais, devant le Tarsiu, Nor semblait confus, perturbé. Eiwa nous montre qui nous sommes, qui nous pouvons être. Mais elle nous rappelle ce qui a été perdu. Pour ton peuple, il s'agit d'un lourd fardeau. La sortie arrière est un peu cachée. Il y est peut-être. Peut-être que j'arriverai à dormir cette nuit.
Faut sortir ou pas? Je vais regarder la quête quand même au cas où. Que je sois bien sur la bonne quête. Et de toute façon, c'est ok. Je me demande, hein. De quoi? Je sais pas s'il fallait que je sorte ou pas. Bah, je suis sorti à l'extérieur du secteur de recherche dans le QG de la dans le QG. Ah, il dit dans le QG. Attends, bah, du coup, il y a une autre sortie. Je dois pouvoir rentrer par l'autre côté, du coup, non? Ouais, non, c'est bon. Où es-tu? De munitions s'amenuisent. Ah mais en fait je suis rentré mais pour qu'ils me disent de ressortir. Super. Effectivement. Ok, donc on enquête. Une cosse éclatée. Ah mais comment c'est l'enquête qu'il fallait faire si... Ah bah si tu démarres pas l'enquête aussi... Mais j'avais pas capté qu'il fallait faire... Ah, il liait l'indice, Nord ok. A dû passer par là. Mais moi je croyais que je le liais en fait en me laissant appuyer sur X, c'est ça que j'avais pas compris. Nord a quitté le QG. Ok. Il est clairement passé par là. Une cosse éclatée. Il a dû la toucher. L'odeur... Ah, oh, bien sûr. Je dois la suivre. Ah et voilà, et là je vois la traînée de l'odeur et tout, donc là c'est plus logique, ok. Ok, ok. Tu m'entends ? Je cherchais Nord près des falaises. Mais j'ai perdu sa trace. On dirait qu'il a traversé une rivière. Je suis sûr qu'il n'est pas bien loin. Peut-être qu'il voulait juste explorer un peu ? Peut-être. Je vais continuer de grimper. Ok, et donc là. Là, on va grimper. Ouais, c'est bon, ça continue maintenant. Ok, donc je remonte la plante. Mince. J'ai envie de tirer sur ça là. Ok. Ok, faut continuer d'escalader encore. Je dois pas escalader le bon endroit, c'est pas possible, c'est super haut. Oh! Est-ce qu'on va bientôt voler? Hey, Salt Lake, tu es là? Je crois que Nord est dans le coin. Tu pourrais peut-être lui parler. C'est pour moi une clope de qualité, hein. J'avoue que, franchement, par contre... Alma et moi devons aller voir un des autres camps. C'est un peu long, quoi. Tu as l'air inquiet. Ceux qui viennent du ciel continuent de s'étendre. Tu crois qu'ils l'ont trouvé? Salt Lake! Bon, je suis censé monter là-bas. Ah bah merci, parce que je suis pareil, là, en fait. Genre, je regarde partout, j'arrive pas à voir où faut monter. Ouais. Ah, c'est par là, je crois, ouais. Non, je pense que j'ai, mais... ça va juste... Ouais, bah pareil, mais ça va juste être un peu long, je pense, hein, mais... On va profiter du décor, et puis voilà. Il y a des trucs volants, j'ai l'impression que c'est un peu des poissons en fait, tu sais. Oui. Il y a des trucs qu'on dirait plus. Des poissons qui piquent là. Ouais, bah tout à l'heure en bas, ouais, et, ouais, ouais, c'est ça, il y en a certains, c'est ça. Et t'as vraiment l'impression que c'est des poissons dans les airs en fait, là, des folles de. D'accord.
On est où là? Ah, j'en suis où là? Je... Non. Il va falloir monter là de toute façon, mais... Mais tu devais être tellement plus haut que moi pour... Waouh. Or c'est bon signe, il vient d'avoir écrit Ubisoft présente. Quoi? C'est vrai, t'as vu ça toi? Je te jure. Ouais, alors bon je suis pas plus haut que toi en fait. Ah d'accord. Moi j'ai pas vu ça. Oh. Attends, je suis paumé. Ah non mais attends, mais il faut encore que je monte de ouf là en fait. Mais tu sais qu'en vrai la quête c'est toujours pas la bonne hein, de toute façon haut à gauche, donc ce sera pas bon pour la coop. Par contre là tu vas me dire s'il y a Ubisoft présente, c'est le jeu il commence maintenant. Ouais le jeu genre il va démarrer maintenant. Tu te rends compte ça fait je sais même pas combien de temps du coup mais... Ok je vais t'attendre devant, là je crois que je suis là où je dois aller. J'ai monté la dernière liane je crois donc je vais attendre. Ok. Moi je suis... Bien. Ah c'est... Bah là je viens d'avoir les trucs en bas là. Et salut. Oh ah, t'as vu la monture? Ouais. Trop beau hein. Bah ce sera beau quand on en aura une. Tu me dis quand t'es monté. Là je suis monté du coup. Allez ça y en est pareil. C'est parti. Ok. Avatar. L'introduction est très longue hein, par contre. Alors elle était stylée, hein, mais c'est vrai que ça aurait été cool de pouvoir se rejoindre avant. Attends, mais c'est moi ça? Attends, c'est ça que j'ai fait comme perso là? C'est surtout que c'est un mec. Ah non, oui, voilà, c'est bon. Que pourraient se dire nos ancêtres en nous voyant ainsi? Tu penses qu'ils auraient pitié? Qu'ils seraient tristes de ce qu'on est devenu? Nous sommes toujours des Salento. Taylan parle à peine notre langue. Mais c'est vrai qu'il a toujours préféré les mots humains. Alma dit que nous avons seulement besoin de temps. Alma n'est pas Na'vi. Pourquoi la RDA est revenue ici? Ils n'en ont pas fini avec Pandora. Ils veulent toujours plus. Alors il faudra se battre. Oui. Ahari l'aurait également voulu. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, Alma a rencontré un problème dans le camp ouest. Et on a un blessé. Je t'écoute. La RDA se dirige vers eux. Vas-y. Je vais rejoindre Rignella et Taylan. On fera en sorte de protéger le QG. Mais c'est pas possible, hein. Ça ne s'arrête donc jamais. T'attire, hein. C'est quoi le nom de la quête? À chaque fois qu'on change. Attends, il y a un timer? Oh non. Aider la résistance, t'en restant 6 minutes 50. Attends mais on peut se TP ou pas là? Bah je sais pas, je suis en panique. On va regarder. J'ai loué la quête, mais non mais c'est super loin. Mais y'a pas de TP là-bas. Hein. Comment on y va? Bah filez-moi une monture, faites un truc là les gars parce que... Me dis pas que je vais tout redescendre quand moi même. Moi aussi je suis en mode... Bah je saute, hein. Vas-y je saute, je plonge. Comment ça tu sautes? Je on plonge, y'a de l'eau. Y'a de l'eau, y'a de l'eau, y'a de l'eau. C'est pas comment ça saute. C'est bon, ça passe. T'aurais peut-être dû attendre que je te le dise d'ailleurs avant de sauter. Ah, c'est vrai que j'ai fait un peu la folle. Je pense que t'as fait exprès qu'il y ait ça. Non mais ça me terrifie. Oh du là, loot. Ah peut-être pas. Ok on a pas le temps. Ah eux il faut faire attention, j'espère qu'ils vont pas me charger. Tout à l'heure ils m'ont... Bah tu les avais attaqués non? Oui. Ouais mais ils me chargent là. Merde. Ok, j'y vais, Priya. Toute cette fumée, ça risque d'attirer la RDA vers le camp. J'arriverai avant eux, je te le promets. Oh, c'est horrible, hein.
Bah ouais, c'est pas fou quoi. En vrai, on est pas trop loin là, je pense. Hein. Ah ouais, non, mais je suis en mode c'est horrible, les pauvres quoi, les navis, c'est pas possible. Hein. Oui, mais y sinon. Y'a pas un militaire gentil dans le tas. Hein. Y'aurait pas d'histoire. C'est vrai. Ok, temps restant. Donc, ils sont attaqués à la station, suivre la fumée dans les flèches ascendantes au sud de la rivière. Attention, parce que moi je vais essayer de jouer quand même fufu, parce que j'ai l'impression que c'est quand même vachement avantageux dans le jeu. Hein. Donc on va essayer. On est pas ensemble, donc Oui. Alors, tu me diras, pour jouer fufu là, ça va être compliqué peut-être. Ouais. Est-ce que je peux y aller au corps à corps comme ça moi. Oh, j'ai one shot. Bon, je. Annuler le tir. Ouais. Non, je peux pas. Le temps presse. Est-ce que je peux le gérer au corps à corps lui ou pas? Let's go hein. Les mechas on peut les gérer au corps à corps. Oh trop bien, du coup tu fais one shot? Non mais franchement tu les gères bien. Ok. Mais attends, mais je suis pas du tout arrivé au bon endroit en fait. Ah mais moi je vais au point bleu hein, je crois. Oui mais... Oui. Non mais c'est que sur la route il y avait des ennemis en fait, c'est tout. Ah d'accord, que je me... Oh la vache! J'ai pris la foudre ou je sais pas ce que j'ai pris là. Ou un tir aussi c'est possible mais... Ouais bah j'ai pris la même. Oh. Ouais je sais pas si c'est attends, pas le point qui a changé. Qui reste, là. Ouais je sais. Ouais. Après ça doit être calculé de manière à ce que même des blaireaux comme nous qui mettons un petit moment avant de démarrer y arrivent tu vois. Ouais c'est vrai. Est-ce qu'il faut vraiment éliminer tout le monde du coup là en passant? Ah moi je le trace hein. Ah tu les tues pas les gens en passant? Ah non. Ah. En fait le timer m'angoisse, hein, je préfère tracer. Ah, c'est vrai que j'avais changé ma touche. C'est quoi ça? Y'a des petits carnivores qui me font un petit gang. Trois minutes, ouais. Ils donnent vraiment zéro loot du coup les ennemis quand on les tue. Mais 2 minutes 39. Ah mais c'est la fumée, on arrive. Tu dois déjà y être toi je pense, non? Ouais ça y est. À l'instant. Cinématique. Alma, c'est trop tard. Allez, me lâche pas. Comment ils nous ont trouvés? Aucune patrouille ne passe par ici. Ils sont à notre recherche maintenant. Oh. Ok. Ça va aller. D'accord? Écoute-moi bien. Ça va aller. Regarde. Tu as déjà vu ce genre de choses? Non. N'aie crainte. C'est facile. D'autres vont bientôt arriver. Il faut que je le stabilise. Alors fais vite. Il y a une raffinerie un peu plus loin. Je vais essayer d'attirer la RDA là-bas. Ne les laisse pas approcher d'Alma et d'Adjir. C'est bon, tu vas y arriver. Je reviens vite. Ah, il nous a donné quoi là? C'est pas une conde. Je vois d'autres soldats arriver. Attention. Quoi? Où ça? Je sais pas ce qu'on a foutu dedans. Un piège. Ok. Et ils sont où les mecs Alors placer des pièges stratégiques à l'aide de la fronde, ok. C'est où qu'on doit les mettre là? Bah je sais pas, ah là où il y a les balises non? Ah là où il y a la fumée tu veux dire?
Ouais, là où il y a la fumée, il y a des hélicos qui se posent. Ok, ouais, donc c'est pour... Ok. J'ai laissé des munitions pour la fronde sur le toit du sas. Je sais que tu en feras bon usage. J'aimerais bien le voir à l'œuvre, par contre, avant de me barrer. Ah, oui, peut-être pas trop près non plus. Ok, mais par contre, s'il y en a partout, j'aurais dû en placer avant. Ok. Il a dit que sur le toit il avait mis des munitions. Je sais pas, il y a une caisse là autour, je peux la prendre. C'est là ? Ah mais merde, il y avait allumé le quoi truc là. C'est des pièges, moi il y a marqué. Oh là là, je crois que j'ai fait des conneries, hein, je sais pas. Attends, la fronte, c'est. Comment je switch là ? Mais attends, mais je me prends du gaz toxique et fouquet, ce que je fous. Et c'est où ces munitions là qu'il a dit ? T'as réussi à en récupérer d'autres ? Je regarde autour, il y a une espèce de caisse de temps en temps. Ouais, mais j'ai pas assis. 4, on sait combien. C'est terminé. On est pas encore déjà terminé ? À l'instant, par contre, il y a un nouveau cooldown. Hein. Il va falloir courir. Hein. C'est grave. J'ai besoin d'une trousse de soins. Il y a des réserves pas loin. Du matériel médical, au cas où. Je vais en chercher. Tiens bon. Ok, let's go. Hein. Tu vas aimer le matériel médical. Je vais trouver. Je vais traquer ce film. L'ennemi nous attaque. Alma, j'ai trouvé le matériel. Je fais au plus vite. Fais vite. S'il te plaît, fais vite. C'est médical ça ? Tu fais la même réflexion que toi. Ah, j'ai mis bien l'arc. Hein. Oh. Donc ça c'est en deux. Salt Lake, il y a un autre navi par ici. Il va m'aider. Ok, faut tirer là. On doutait un peu mais. C'est bon là non, il va se cracher. C'est un cooldown, non ? Ouais. Ils sont pas pressés non plus. En fait, ça servait à rien ce que je viens de faire du coup. Je pensais vraiment le faire se crasher, mais bon. Non, c'est juste qu'il a déposé des gens. Ouais, mais je l'ai quand même détruit normalement. C'est dynamique le combat. J'ai plus beaucoup de vie. On va faire le fou là.
Ok, moi j'ai des mines là, très bien. Temps restant. Je vais y aller là. On l'a échappé, Ben. Il y avait beaucoup d'AMP. C'est la première fois que j'en vois autant. Ce sont les jouets préférés de Mercer. Tu as l'esprit vif. Je suis désolée de pas avoir pu t'aider. J'ai eu de l'aide. So, Leg a fait diversion. Et tu as vu cette navie? Les Ikran sont sans peur. Et ils protègent farouchement leurs chevaucheurs. Un scorpion de la RDA ne fait pas le poids face à eux. Navi, marcheur de rêve et totouté. Vous combattez ceux du ciel sans aucune aide. Vous êtes courageux. C'était incroyable, la manière dont tu as détruit cette chose. Merci. Attends. Tu portes la marque. Tu es Sar Rentu. Les conteurs, les faiseurs de paix. Mon père dit que ton clan a disparu il y a des années de cela. On vous croyait tous morts. L'esprit des Sar Rentu ne s'éteint pas si facilement. J'espérais seulement trouver la résistance ici, mais... les Sar Rentu... Je suis Etua, Tsarik, de Aranae. C'est ça le nom. Je connaissais ta mère. Je suis navrée. Notre maison souffre également. Ceux qui viennent du ciel nous envahissent et la terre se meurt juste sous nos pieds. Cependant, mon peuple, l'arbre maison, nous ne sommes pas des guerriers, mais la guerre est là. Mon père refuse toujours de se battre, mais il connaissait les Sar Rentu. Il vous écoutera. Il le faut. Il faut que je les ramène. Les autres, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais t'aider avec tes blessés. Mon arbre maison n'est pas loin d'ici. Dis-leur que je t'envoie. Mais ils ne pensent pas tous comme moi, alors s'il te plaît, ne va pas dire que je t'ai... aidé. Que les courants du vent portent ton esprit. Ok, on s'approche doucement de la quête là. So, Lake, petit à petit. Un autre Na'vi est venu m'aider. Et toi, du clan Aranahe. Elle m'a dit de venir à leur arbre maison. C'est ça, c'est la quête actuelle qu'il faut finir. Vont nous rejoindre. Le clan d'Aran ? Ouais, Aranahe. Aranahe. Tout à fait. Oui, bah, terminez cette quête là et c'est bon. C'est bon, c'est-à-dire on pourra voir la Koa ? Oui. Et on aura fini le jeu. On aura complètement fini le jeu à ce moment-là. Hein. Vas-y, j'ai envie de rusher. Hein. J'ai envie de se dire, ok, on finit l'épisode bon, sur la coop Paris. Allez. Soyons fous. Boutique de jetons. Vous avez reçu 300 jetons de récompense. Dépensez-les pour acheter des éléments cosmétiques et d'autres accessoires dans la boutique. Ok. En fait, je sais pas si la quête en elle-même va être longue ou pas, mais ça se trouve, ça va être la quête, bah, c'est pour avoir... l'arbre maison, je pense que ça va. Ah oui, j'avoue que ça se trouve, la quête, c'est juste de les trouver en plus, et c'est bon après. Hein. Oui, ça se trouve, on se synchronise avec la zone, on saute dans le coin, c'est fait. Aïe, ouf, ouais, je me suis synchronisé avec les bombes, là. On aurait pas pu se TP, d'ailleurs, là. Hein. Non, j'ai regardé. Donc, ouais. Ok, ok. C'est quoi les tiges cloches? Bah. Waouh! L'endroit est très beau, hein. Waouh! Ok, il y a des dégâts de chute. Ok. Je voulais savoir depuis un moment. Je viens de passer dans un camp, je sais pas si je peux le sauvegarder pour faire par la suite une. Ah! Quand tu passes dans un camp, le voyage rapide se débloque automatiquement. Ah, j'ai pas eu de camp moi. Bon, je pense que tu vas pas. En fait, bah, il y a un énorme arbre. Je suis passé dans un tronc. En fait, je rentre dans un tronc et au bout d'un moment, je suis passé devant un camp. Mais moi, j'aurais pas dû monter là, en fait, je crois. Oh. Bah, moi, je vais monter sur le tronc. Lui qui vole. Ah, mais c'est ça ton camp, non? Faut pas le rater. Hein. Je crois que je l'ai. Merveille du tisseur là, quand
Ouais, je crois que c'est ça. Il y avait un... Il y a lui là qui m'intéressait là. Hé, hey, petit gars. Ok, oh, c'est pas à moi. Mais... Je voulais apprendre à voler un peu plus tôt que prévu. Non, mais c'est pas possible. Bah quoi? Après, l'arbre maison, j'avoue qu'ils sont tous dans des arbres comme ça, hein, j'imagine leur camp. Ah, c'est pas mal, ça change de décor malgré que... Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Des quoi? Lesquelles? Ouais, il y a des petits trucs qui m'attaquent là. C'est trop marrant ces plantes aussi. Quel beau décor, oh là là. C'est incroyable hein. En fait je trouve ça trop stylé qu'on est dans une forêt, mais tu sais ils auraient pu faire en sorte que... J'ai passé un bus de vitesse hein. Ils auraient pu faire en sorte que... Tout se ressemble. Ouais, tout se ressemble et tout. Et là ils ont quand même fait des biomes dans la forêt. Ça reste de la forêt, mais tu vois avec des biomes différents c'est trop cool. Ouais, c'est très chouette. Mais c'est grand hein. C'est fou. Ouais, bah c'est pour ça que je pense vivement qu'on a un truc volant. Mais je pense que ce clan là va nous l'apprendre vu que... Elle avait l'air d'en avoir et tout. Et d'ailleurs, si tu regardes, bon, on commence à avoir des îles flottantes après. Ah ouais? J'espère que ça va être ça. Bah, regarde un peu dans le ciel, ouais, t'en vois. Enfin, ça dépend où t'es, mais. Là autour, comme ça, je vois rien, mais. Ah, tu dois être un peu plus avancé, mais. On voit plus trop, mais on voyait à un moment donné, dans la direction de vers le où on va, plus ou moins. Pas besoin de refaire des flèches pour l'instant. Je sais pas si c'est normal, mais quand j'essayais de récolter des fruits, au début j'avais l'interface pour montrer. Tu sais, avec la flèche, maintenant c'est plus le cas. Je tire à l'aveugle. Ah ouais? Bah, de toute façon. Oh! Oh, merde. Oh, c'est joli ça! Arbre, mais maison. Du coup, bah, du coup, c'est lui. Tu vois que ça. Ah, t'y es ? Ouais. Ah, mais attends, mais j'ai dû rater le coche, qu'est-ce que j'ai foutu ? Bah, ouais, je sais pas, c'est bizarre. J'ai une cinématique du coup qui commence. Toi ! Attends ! Je n'en ai jamais vu comme toi avant. De quel clan es-tu ? Quelle étrange vision ! Et Toa m'a invité ici pour rencontrer son père. Qu'as-tu sur le visage? C'est la marque des Sarentu. Mais les Sarentu que nous connaissions n'auraient jamais défié Ewa avec cette ferraille humaine. Je ne connais rien d'autre. Ils nous ont pris quand nous étions enfants. Ils ont pris tellement de choses. Tu es parti bien longtemps. Et tu es encore jeune. Ton esprit a-t-il été façonné par les Sautoutés? Ou te souviens-tu des coutumes de ton clan? Allons, veux-tu ranger cela? Le regard vif, digne des Sarentu, mais plus intense. Laisse l'arbre maison te soulager de tes fardeaux. Nous allons ajouter de la couleur à tes joues, ou à ta tenue tout du moins. Ici, tu vas renouer avec les coutumes de ton peuple. Oh, leurs histoires me manquent tellement. Ils aimaient récolter la soie, la douce odeur de la teinture, Mayantu. Kadnat. Je m'occupe du Sarentu. Le pauvre enfant ne connaît rien de nos coutumes. Va. Nous parlerons quand tu seras installé. Je dois retourner parler au père des Toa, lui parler de la résistance. Plus tard, ma Yantu. Il est notre Holo Ektan, le chef de notre clan. On va d'abord te nettoyer un peu. Ta vue pourrait effrayer un Antsik. Et puis, je te déconseille de lui parler de ceux qui viennent du ciel. Ils ne sont que problèmes, et Kanat n'aime pas les problèmes. Je vais plutôt te faire visiter. Hein? Tu veux bien? Oh! Cela fait une éternité que nous n'avons pas accueilli de Sarentu.
Les tiens rendaient nos vies plus intéressantes. Une fois, ils nous ont raconté l'histoire du rare rituel d'accouplement des accrous géants. Apparemment, il peut durer des jours. Mais je te raconterai ça plus tard. Notre grand arbre renferme de nombreuses histoires. Il a vécu tant de vies, accueilli tes ancêtres, comme toi aujourd'hui. Et aucun Sarentu n'a jamais pu résister à notre danse des couleurs. Viens, viens voir mes tisserands. Koranu, mon ami, regardons ton œuvre. Magnifique soie, n'est-ce pas? Elle n'est plus aussi résistante depuis que les fleurs des Kinglor se sont fermées. Mais tu ne trouveras rien de mieux. Elle est bien plus solide que la laine de Zakru, tu peux me croire. N'en déplaise à ces essois prétentieux. Koranu est une brillante tisserande. Elle t'aidera dans tous tes labeurs. Oui, j'ai besoin de me changer les idées. Ça fait des heures que j'y travaille et je ne suis pas encore satisfaite. Je fais beaucoup de... Tu vois ça? Profite de toute cette beauté. En parlant de ça... Bon, ça va, t'as trouvé l'arbre? Ouais, sauf que j'ai pas de chance. La vieille, elle s'est posée Hello là où elle doit aller, puis elle a réinitialisé tous ses dialogues. Enfin, du coup, elle les enchaîne, là. Ah mince. De ta présence. Et avec un Sarentu, qui plus est. Intéressant, tu ne trouves pas? Une autre âme perdue a guidé à travers les sillons rocheux de la vie. Le progrès t'attend, Sarentu. Ah, il m'en veut toujours. Si tu es futé, tu ne la laisseras pas te remplir la tête de soie et de teinture. Le goût est le cœur des Aranae. Relun est un peu colérique, mais c'est le meilleur cuisinier. Et il le sait. Et voici mon ami, Kitangi. Nefika, tu prends déjà le jeune Sarentu sous ton aile? Il en aurait bien besoin. Oh, mais attends, besoin. Elle nous file... Ah non, c'est des plans qu'elle nous donne. Regarde-moi un peu ses vêtements. Ah, moi j'ai pas fait gaffe. Lamentable. Ah bah, elle va lui prendre ses plans aussi parce que c'est joli. Aussi hirsute qu'une pousse griffue. Tu n'as pas hérité de la grâce de tes ancêtres. Je suis pas en cinématique, moi, encore. S'habiller. Désolé, je n'ai jamais rien connu d'autre. Qu'importe, tu brilleras de nos couleurs désormais. Tu ne feras qu'un avec la forêt, ma Yantu. Notre soie te sera bien utile. Elle est doublée de peau de Sturmbeast qui te protégera des dangers du dehors. Ou te rendra au moins plus dur à digérer. Sturmbeast? Cet enfant s'est chassé? Jusqu'ici, je m'en sors pas mal. Pas mal? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Pensez-vous qu'on peut survivre pas mal? Itou est parti chasser. Je suis sûr qu'il saura te guider. Si tu arrives à le trouver, il y a un campement de chasse près de l'eau. Il sera là-bas. Mais ne perturbe pas sa chasse. Il en serait mécontent. Va, ma Yantu. Et chasse respectueusement pour montrer à Kanat que tu sais y faire. Bah, tu vois, il te parle d'aller chasser, là. Hein. Rien ne presse, mon enfant. Je savais bien qu'on tu allait chasser. Tu peux partir si tu veux, mais si tu as besoin de te reposer, reste profiter de notre magnifique récolte de soie. Aucun Aranahe ne t'en voudra. Ah, mais j'ai pas fait gaffe, j'ai cru j'espère que c'était... J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Ok, oui, donc là, oui, elle en a plein. Allez, on va se rejoindre, on regarde pour cette fin d'épisode à quoi on ressemble. Ouais. Si tu as besoin d'autre chose. Ok, ouais, non, je croyais que les plans étaient avec tout, tu sais, j'avais pas compris que c'était... qu'il y avait un onglet, en fait. Ok, allez, vas-y, go s'inviter. C'est toi, ça? Attends, c'est toi, ça? Je suis arrivé chez les Aranahe. Bah oui. On peut ping avec B. Tu avais raison à leur sujet. Et tu peux laisser appuyer sur B. Nefika. Ah ouais. Elle pense attends, mais ça c'est toi. Mais comment je sais que c'est toi? Ah, mais il y a un point déjà en haut. Que je sais chasser. Attends. En haut dans la boussole. Viens la lumière, viens la lumière. Ne t'en fais pas. Ah, mais non, mais t'es là. M'a dit que l'un de leurs chasseurs pouvait m'apprendre. Quoi? Mais non, mais j'étais. Non, derrière toi.
Tu veux bien que je suis? Ah mais c'est Docteur Horst là, au-dessus de lui. Au-dessus de lui là. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit non mais t'es là. Parce qu'il y a écrit Docteur Horst. Mais non mais c'est parce que je l'ai ping. C'est mon ping que tu vois. Regarde, je suis meilleur. Ah bah oui, c'est écrit Docteur Horst. Tu veux voir ta tête? Non, je sais pas comment j'enlève le ping mais... T'es une meuf? Mais non. Merde alors, t'as la même tête que moi, non? Mais non. Mais non. Bah si un peu, mais incroyable. Ah bah ça y est, on peut enfin jouer ensemble. Et bah écoutez, ça va marquer la fin du premier épisode qui est... Regarde ça. Très long, je pense. Très très long, premier épisode. Par contre, la coop, non, ça a l'air fluide et tout, y a pas l'air d'y avoir de soucis. C'est cool presque de pas avoir le pseudo dessus, ça garde l'immersion et tout, j'aime bien. C'est pas mal, on va se perdre plus souvent, c'est sûr, mais c'est pas mal. Est-ce que on se fait des dégâts ou pas? Bah là, on peut pas tirer ici. Ouais, t'as de la chance, viens, on va dehors. Et on se rack dehors. Comment vite fait. Viens. T'es sérieux? Non, mais juste pour savoir ça si on se fait des dégâts. Non, mais c'est tout. Par contre, tous tes pings, tu peux me les virer là parce Mais que... non, justement, je sais pas comment les enlever. Ah, super, parce que du coup, ça va s'afficher. Bah, je remettrai plus de ping parce que c'est vraiment. Chiant. Non, on peut pas. Il y a un petit réticule vert pour dire on ne touche pas à nos alliés. Oui, non, mais le réticule vert, ça je l'ai vu, c'est pas ça le problème. Te voilà. Approche. Non, mais déjà, je peux pas taper. Dépêche-toi. Mais on peut pas tirer ici encore. Hein. Mais peut-être parce qu'ici, c'est une zone propre. Hein. Et attends, mais j'aimerais bien pouvoir me battre un jour par contre. Là. Ah voilà, ici, mais viens. Contre ton allié en fait. Viens, ramène-toi. On fait pas dégâts. Bah non. Ok, bon, bah c'est bon. Et l'autre, elle recharge carrément. Là, mais c'était pour voir. Hein. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Te voilà. On aura déjà bien avancé. Moi, j'aime beaucoup le jeu pour l'instant. Juste déçu qu'on ait pas pu se rejoindre avant, par contre. Ouais. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce qu'on a vu. J'ai hâte qu'on ait nos montures également. Et puis, je pense, prochain épisode, on va pouvoir vraiment commencer à kiffer vu qu'on sera ensemble. Ça va être plus ça agréable va être trop déjà. Bien. Donc, je vais aller là-dedans, vérifier si ça save peut-être. Et voilà. Et au moins, on aura plus les pings quand on aura relancé. On évitera d'en mettre. Hein. Oui, on évitera ou on regardera.